Bonsoir Anne-Ma. Je me représente aussi. Moi, c'est toujours Anne-Ma. Ah ben, c'est un plaisir. Ben, partagé. Hein, dans le jargon grammatical, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de faute d'accord, hein, de l'amour. Hein. C'est vrai que si je... devais me définir, eh bien, je dirais, hein, que je me sens un peu comme un massage taille, hein, qu'on aurait offert à un grand brûlé. Hein. Et donc, personne ne profite jamais, hein, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis toujours célibataire et ravie, hein, de vous recroiser. Et d'autant plus ravi, hein, que même si physiquement, hein, du fait de votre calvitie naissante à 23 ans et de ce petit regard, hein, mi-fourbe, mi-défiant, hein, qu'ont souvent les hommes nés, hein, sous un ascendant le coup, mais bien pour ce fait, hein, vous êtes une sorte de mix, hein, entre cet animateur télé, hein, aussi chaleureux que probablement Focus, hein, qui est le sympathique Cyril Hanouna et la version jeune, hein, quelle connasse celle-là, mais c'est vrai, et la version jeune de ce véritable terroriste musical, hein, qui est le producteur de comédie musicale, hein, monsieur Dovatia. Et bien, malgré ce coup bas, hein, que vous ont fait vos parents, hein, en refusant la contraception, et bien, c'est quand même pas tous les jours, hein, qu'on a la chance. Enfin, quelqu'un qui accepte. C'est pas tous les jours, hein, qu'on a la chance de recroiser la relève, hein, du stand-up français, hein, une sorte de version halal de Kev Adams, hein, pour ainsi dire, hein, puisque du haut de vos 23 ans, hein, vous avez eu le privilège immense, hein, d'assurer les premières parties de cette sorte de dodo la saumure, hein, de l'humour à capuche, hein, qui est ce beau vieux Jamel Debbouze, hein, une collaboration vraiment prestigieuse, hein, qui visiblement vous laisse pas mal de temps pour glander, hein, puisque depuis 2010, et bien qui ont déjà écumé, hein, toutes les MJC de France, du Benelux et du Moyen-Orient, et bien vous continuez à jouer, hein, le même spectacle, hein, intitulé Malik Ben Talas se la raconte, hein, one man show formidable, hein, dans lequel on découvre notamment, hein, votre passion pour les mission, c'est pas sorcier, hein, ce programme de jeunesse, hein, dans lequel, depuis leur camionnette, hein, ces véritables scientifiques de proximité, hein, que sont Fred et Jamie, hein, expliquent aux enfants les mystères du sommeil, à quoi servent les forêts ou encore, hein, comment fonctionnent les volcans. Hein. Et vous savez, et bien, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant passé une grande partie, hein, de mes vacances scolaires dans la camionnette réfrigérée de mon pépéronneux, qui donc voilà, un amour comme en cuisine, hein, toujours préféré les produits frais, comme on dit. Bien. Et moi, je peux vous dire que quand le frère de Jamie, hein, dès mon plus jeune âge, mon pépé n'a jamais hésité à venir m'initier aux joies d'écouler de lave, hein, les nombreuses fois où, au lieu de son collet, il est venu jouer les arontasiaf dans mon cratère. Hein, ah oui, c'est que je veux dire. Et en parlant d'explorer des zones brûlantes, justement, je suis comme mon petit niveau. Étant désormais à moins de 2400 jours, hein, de la Meno, et n'ayant malheureusement jamais trouvé aucun homme, hein, c'est re négatif, hein, prêt à venir pressionner mon ticket, comme on dit, bien sûr. J'aime autant vous dire que la couche poussière de l'amour qui est dans moi sera absolument ravie, hein, de vous laisser plonger votre merguez dans nos sommets. Cette métaphore culinaire un peu indigeste, j'en conviens. Sur cette petite confidence, hein, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien mon sang oblige, hein, j'irai tenter ma chance en Inde, où plus d'un million d'hommes sont sur les routes, hein, pour fuir les inondations. Donc, je suis comme moi, là. La nappe phréatique de l'amour qui est dans vous n'a qu'un souhait, finalement, hein, celui de d'être enfer à hydrater, comme on dit. Eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bravo, c'était dégueulasse, c'était immonde, c'était incorrect, vous êtes brillants. C'était super. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Move.